message d'intérêt général à tous les crossfiteux. Manger de la marde, ça c'est du crossfit, si. Mon séjour au Kenya tire à sa fin, en route vers ma prochaine destination, l'archipel de Lamu. Lamu Martin! J'ai toujours aucune idée où est-ce qu'on s'en va. Lamu est une charmante petite ville côtière, considérée comme l'une des plus vieilles villes d'Afrique de l'Est. À cause de ses rues étroites, il n'y a aucun véhicule sur l'île. Tout se fait à dos d'âne. On m'a dit qu'il y en a 2500. En fait, je les ai comptés, il y en avait 2492. La tranquillité du haut des toits m'a donné le goût d'écrire un peu et de me parler tout seul. Ouais, parce que quand t'es humoriste, ça arrive quand même assez souvent. Jumbo! J'ai décidé de rejoindre les enfants. On va leur parler. On va. Vous jaser. Jumbo! What's your name? Wadiro. Wadiro? Wadiro. Rolly. Rolly. Kabadja. 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 This. Kabadja. Omar. Karate. Omar. Karosho. Islala. Islala. Eswala. Eswala. Oh, can I sit? Asante. Rolly? Oui. Dance. Dance. You know how to dance? Yes. Can you dance? Yes. Show me how to dance. Le soir même, je me suis dépêché pour attraper le coucher de soleil sur les dunes de sable. Sur mon chemin, j'ai arrêté dans un village traditionnel où j'ai goûté du vin de noix de coco. Sa pastille de goût, je dirais, amère et vinaigrée. Moi qui pensais faire une petite randonnée tranquille sur la plage avec mon gin tonic, et beau boy, avoir su, j'aurais pas mis mes gogounes. Let's do this. The sun's too crazy. Yeah? One step up, two steps down. We did it. Yeah, we did. Don't fall down, my friend. I want. I'm here to understand why we laugh. Oh. What's the origin of laughing? I think people, they are laughing because they get something inspired in the heart. Yeah. You know, when you laugh, you get energy. Exactly. Yeah. This is the feeling yes. I'm trying to get every minute I'm on stage. Good. Donc là, je suis en route vers Danakil. La température peut atteindre 50 degrés Celsius. Puis il y a deux mois, il y a un touriste qui s'est fait tirer dessus puis il est mort sur le coup. Yeah!